Je peux même pas, je traverse même pas la route toute seule. Parce que j'ai peur de tomber. Vous avez une alarme si oui. Vous tombez? Bah oui, si je tombe, alors on peut les appeler ou n'importe, ils sont là immédiatement. Ah d'accord. Oui, l'appareil est là sous le téléphone. Est-ce que dans votre maison, vous avez fait des aménagements particuliers? Non, du tout. Non, ça restait comme ça avec mon mari. Nous, on n'a rien fait, rien changé. Non. Pour ce qui est des personnes âgées, ce qu'il faut surveiller, ce sont les chutes. Je suis en difficulté. Alors ça sonne à leur centre. Et qui me rappelle, j'ai un haut-parleur de l'autre côté. Alors pour les causes directes, il y a tout l'aménagement de la maison. J'avais pris cette maison parce qu'elle était de plein pied. Ces témoignages illustrent notre thème d'aujourd'hui, les risques d'accidents domestiques et leur prévention. Nous avons tous en mémoire un fer à repasser qu'on oublie de débrancher, la soupe qui déborde en allant faire les courses, ou bien un escalier sur lequel on dérape. Nous allons retrouver nos comédiens dans une suite de ces situations périlleuses. À vous de repérer les endroits où ils prennent des risques. Regardez bien. Situation concrète, passons aux explications sur les risques. L'assistante de vie doit assurer la sécurité dans l'accompagnement des personnes aidées et la garde des enfants et des bébés. Prenons un exemple concret. Martine, imaginons, vous intervenez chez une personne âgée de 80 ans à partir de demain. Vous aurez sans doute quelques questions à poser à Alice de Maximi de l'INPES. Oui. J'aimerais lui demander quels sont les principaux risques d'accident domestique pour une personne âgée. Ce qu'il faut surveiller, ce sont les chutes. La prévention des chutes passe d'abord par l'aménagement de la maison. Donc ça veut dire ne pas laisser des fils électriques qui traînent par terre, ne pas laisser des tables basses, avoir un bon éclairage de la maison pour que la personne âgée puisse voir, mettre de l'antidérapant sous les tapis. Bref, bien aménager la maison de façon logique pour que la personne âgée puisse s'y déplacer en toute liberté et se sentir bien chez elle. Pour ce qui est encore de la personne âgée, un moyen de prévenir les chutes, c'est de prendre soin de soi. Ça veut dire avoir des chaussures adaptées, avoir des lunettes qui sont adaptées à la vue de la personne âgée pour qu'elle puisse bien voir ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, etc. Ensuite, la personne âgée doit avoir un certain équilibre alimentaire. Ça veut dire prendre des protéines pour aider la masse musculaire qui diminue avec l'âge à rester saine. Prendre des féculents pour avoir de l'énergie, mais aussi beaucoup de fruits et légumes pour avoir les vitamines nécessaires à une bonne alimentation. Ensuite, un point particulier pour les personnes âgées, c'est qu'il y a un manque de calcium qui se fait, qui entraîne notamment une ostéoporose, donc un problème osseux. Et donc, il est important que les personnes âgées mangent beaucoup de laitage et de fromage pour remplir leurs besoins en calcium.
Ensuite, les personnes âgées ont tendance à ne pas avoir soif et donc oublient de boire. Et il est très important de boire régulièrement. Alors, un petit truc qui permet de boire bien la dose quotidienne nécessaire en eau, c'est de mettre une bouteille d'1,5 litre avec un verre d'eau à proximité de la personne âgée et de lui donner comme mission de terminer la bouteille à la fin de la journée. Ça, c'était pour l'équilibre alimentaire nécessaire au bien-être de la personne âgée. La personne âgée aussi doit entretenir son corps, c'est-à-dire comme nous, faire du sport pour pouvoir avoir une masse musculaire qui la porte bien. Ça veut dire faire des petits exercices quotidiens ou aussi faire de la marche. Enfin, la personne âgée doit pouvoir se faire aider. Souvent, les personnes âgées sont seules et cette solitude pèse considérablement sur leur morale et entraîne une baisse de la forme physique et donc des chutes potentielles. Cette aide peut être très intéressante pour toutes les personnes âgées car on peut ainsi aménager bien la maison pour que la personne âgée puisse appeler cette aide. Ça veut dire mettre des téléphones dans toute la maison pour que la personne âgée puisse téléphoner. Ça veut dire aussi aider la personne âgée à comprendre à avoir la bonne méthode pour se relever si elle vient de chuter avec soit une chaise à proximité, soit un meuble à proximité sur lequel elle puisse s'appuyer pour se relever. Mais pourquoi les accidents arrivent quand même ? De nombreuses personnes âgées refusent, entre guillemets, de se sentir vieilles et ne se sentent pas vieilles, donc ne se sentent pas concernées par tous les messages de prévention qui leur sont adressés et donc ne voient pas les risques. Alors, un moyen de pallier à ça, c'est de s'adresser à elles comme des personnes d'un certain âge, mais absolument pas vieilles. Et l'autre moyen, c'est d'agir au niveau de la famille et des entourants de la personne âgée, qui, eux, sont capables, par exemple, de mettre un antidérapant sous un tapis pour prévenir la chute de la personne âgée. En général, est-ce que les Français ont peur des accidents domestiques ? Les craintes des personnes par rapport aux accidents domestiques sont vraiment là. Il y en a, elles sont présentes dans toutes les statistiques que nous avons. Elles arrivent par exemple par rapport à tous les accidents qui existent dans la vie en 7e position. Donc c'est vraiment quelque chose qui est craint par la population. C'est surtout craint par les jeunes qui ont peur des accidents domestiques et ça, jeunes adultes on va dire. C'est dû essentiellement, on l'interprète comme une crainte pour leurs enfants d'accidents domestiques. Pour ce qui est des personnes âgées, on s'aperçoit que les craintes d'accidents domestiques diminuent avec l'âge, donc, et des accidents en général d'ailleurs. Donc il y a quand même une diminution des craintes des accidents domestiques chez les personnes âgées. Je pense que tous les parents ont peur pour leurs enfants, mais je ne sais pas si tout le monde est ultra protecteur ou... Enfin, je pense, quand on écoute les informations, il y a assez de choses pour nous faire peur et pour nous mettre en garde. J'ai très peur de la piscine tout le temps. Donc, ils vont pas. Enfin, Pierre peut y aller, mais Léa, qui est petite, ne va jamais à la piscine si mon mari n'est pas là, parce que moi, je ne peux pas la surveiller. La piscine est trop grande, j'ai trop peur de la noyade. Et Sophie, peut aller ? Ouais, Sophie, elle peut, elle. Ça va ? Thierry, une association vous propose de garder des enfants à domicile. Catherine Malter, du CEPR, est prête à répondre à vos questions. Oui, eh bien moi j'aimerais savoir quels sont les principaux risques domestiques pour les enfants. Les 6 principaux risques domestiques répertoriés chez l'enfant sont la chute, l'intoxication, la noyade, l'asphyxie, l'électricité et la brûlure. Revenons à la chute. La chute représente les 3/4 des accidents domestiques chez l'enfant de moins d'un an. Et dans les 3/4 des cas, c'est le crâne qui est le plus touché. 85% des accidents domestiques, et on le sait moins, sont liés à l'utilisation d'un article de puériculture. Enfin, chaque année, plus de 200 enfants tombent d'une fenêtre, particulièrement l'été, dans les périodes de grande chaleur. Le deuxième risque auquel est soumis l'enfant et qui est la deuxième cause de décès en France, est la noyade. On se noie principalement à son domicile, dans des piscines privées, le plus souvent dans la piscine du voisin, mais aussi, on le sait moins, dans le seau laissé pour recueillir l'eau de pluie. Le troisième risque répertorié chez l'enfant est l'intoxication.
15 000 enfants sont hospitalisés par an chez les moins de 5 ans. Les enfants sont avides d'explorer, de toucher, de goûter. Ils sont attirés par les produits colorés. Les produits en cause sont tous ceux que l'on utilise quotidiennement. Le quatrième risque, très en lien avec celui qui précède, c'est l'asphyxie. Vivre, c'est d'abord respirer. On retrouve dans ce risque le risque d'obstruction des voies aériennes, le risque d'étranglement et le risque de confinement. Le cinquième risque répertorié est le risque d'électrisation. Un enfant par mois meurt d'électrisation. Le risque est lié à toute mauvaise installation, mauvais équipement de la maison en matière électrique. Enfin, le sixième risque répertorié est le risque de brûlure. 1000 enfants sont hospitalisés chaque année du fait de cette lésion. Deux origines à ces brûlures, les liquides chauds et les solides chauds. Mais face à tous ces accidents, pourquoi ne fait-on pas plus attention ? Ça n'arrive qu'aux autres. L'accident, c'est pour le voisin. On ne se sent jamais concerné par un danger. Le deuxième frein que j'identifierais, c'est une forme de contrainte imposée par la prévention, une contrainte à sa vie quotidienne, une contrainte à sa liberté individuelle. Utiliser un produit de prévention est parfois contraignant et bloque parfois son utilisation, et parce qu'elle bloque tout simplement nos habitudes de vie. Enfin, le troisième et dernier frein, sans doute le moins important, est un problème de coût. En règle générale, de quoi ont peur les parents et les personnes qui gardent les enfants ? C'est la présence d'une piscine, c'est la peur des allumettes. Elles sont toujours liées à l'intervention d'un agent ou d'une personne extérieure. Alors qu'il faut savoir une chose très simple, qui est que l'enfant est créateur de son propre danger. Il est très imaginatif et l'enfant sans surveillance est aussi dangereux qu'une piscine avec un adulte qui surveille. Après les conseils et la pratique, on passe à l'appartement pédagogique. En arrivant, l'assistante de vie sécurise l'espace de vie. Ici, Thierry verse d'abord l'eau dans le fer et le branche seulement ensuite. En partant, la DV sécurise l'appartement ou la maison. Elle ferme la bouteille de gaz et débranche les appareils qui ne seront plus utilisés. Bonjour, Ariel. Alors, vous allez bien aujourd'hui? Ça va. Oh, vous n'avez pas mis vos chaussons correctement. C'est toujours pareil, hein. Mais je suis mieux comme ça. Bougez pas, je ramène une chaise. Je vous dis que je préfère. Allez, asseyez-vous. Oh, avec vous alors, hein. Je vais vous les enfiler. Vous savez que c'est dangereux, hein. Vous risquez de tomber, sinon. Je voilà. Je suis serré. Allez, je vous emmène à la cuisine pour préparer le repas, hein. Voilà. Alors, on avait parlé de frites. Je vais faire les patates. Je préfère le faire moi-même. Vous êtes coupé avec le concombre le jour. Vous vous rappelez? Puis je suis là pour ça. Hein, ça ira. Je vais faire la vinaigrette. Vous la faites un petit peu forte. Ça vous fera mal à l'estomac. Qu'est-ce qu'on dira si je vous rends malade, moi? Hein? Attends, je vais mettre la table. Vous avez des pages, je le ferai tout à l'heure. Puis vous risquez de me gêner. Allez, asseyez-vous. Nous avons perçu que l'assistante de vie est trop axée sur la sécurité. Trop stricte, elle l'infantilise en la privant de toute activité. L'assistante de vie ne respecte pas les choix de la personne et l'infantilise. La sécurité est excessive et elle impose son choix. Il est vrai qu'il est difficile de protéger une personne contre son gré, par exemple une dame qui met des tapis partout chez elle et qui ne veut pas entendre le fait qu'elle puisse trébucher sur les bords. Dans cette première séquence, nous assistons à un comportement d'attention excessive qui étouffe la personne aidée.
c'est une atteinte à sa dignité. Elle devient un objet qui n'est donc plus vivant, car tout lui est imposé. L'ingérence dans son territoire est trop forte, négative, et oui, progressivement son envie d'agir, tout en lui laissant un sentiment de non-reconnaissance, voire même d'infantilisation. Attention, monsieur Lenoir, c'est très chaud, hein. Je vous sers, et après, il faut que je range tout ça. C'est très chaud. Ah ben, il faut vous souffler, monsieur Lenoir. Je me suis brûlé la langue. Poussez-moi un petit peu que je puisse passer. Je me dépêche parce que j'ai encore plein de choses à faire chez vous. Je vais vous laisser la place. Hein. Je vais m'en aller là à côté. Non, non, vous dérangez pas, monsieur Lenoir. Faut plus bouger maintenant, hein. Sinon... Dans la scène que nous venons de voir, nous avons pu constater qu'aucune précaution de sécurité n'a été prise envers la personne aidée. Exemple, le couteau qu'elle maintenait dangereusement dans les mains. Il y a eu un manque de respect de la part de l'assistante de vie. L'assistante de vie n'avait pas mis la personne en sécurité. Elle était trop axée sur ses tâches. Elle culpabilise la personne aidée en la bousculant, en lui disant de ne pas bouger. Au point où la personne demande à l'assistante de vie si elle doit s'en aller pour lui laisser la place. Dans la deuxième séquence, nous assistons à l'attitude inverse. L'attention n'est pas là. La personne aidée est immobilisée. Son espace n'est pas respecté. Elle devient un objet gênant pour l'assistante de vie. Celle-ci l'a positionnée afin qu'elle la dérange la moins possible pour effectuer son travail. La relation devient limitée. Il n'y a plus d'avis à donner et en plus, il n'y a plus de plainte à formuler. Ainsi, l'assistante de vie a perdu de vue la base de son travail, assister la vie. Allez. Merci, monsieur Leroux. Allez. Bon, faites attention à votre tapis, là. Vous savez qu'il est glissant, hein. Ben, l'autre jour, tiens. Je me serais pas retenu à la porte et ben, je partais. Vous savez qu'il est bien joli, le tapis que votre fils vous a offert. Mais vous risquez de tomber. C'est quand même un endroit dangereux. Là. C'est le tapis que mon fils m'a offert pour la fête des pères avec les chaussons qui vont avec. Il n'y a que là où je peux le mettre. Attends, on va réfléchir un petit peu tous les deux. Hein. Ouais. Je comprends que vous vouliez faire plaisir à votre fils, mais il y a peut-être un endroit moins dangereux. Non, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Et pourquoi pas là contre le mur? Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je ne sais pas. Ça place. Hein, pour le tapis du Bernard. Et s'il n'est pas là, il va se vexer. Je comprends que vous ne vouliez pas vexer votre fils. Mais si, le contre-mur, c'est quand même plus facile pour vous essuyer les pieds. Et puis, il y a les chaussons juste à côté. Et avec un petit peu d'antidérapant que je vais vous mettre par en dessous, ce sera parfait. Et puis, l'essentiel pour vous. Comme pour votre fils, le plus important. Hein, c'est quand même qu'il ne vous arrive pas de mal. On le voit moins bien, c'est sûr. Hein, mais c'est le plus important, et vous avez raison, c'est de ne pas se casser la margoulette. Hein. Et surtout, à mon âge. Dans cette séquence, nous pouvons constater que l'assistante de vie est en empathie avec la personne aidée. Finalement, elle a su trouver l'équilibre idéal entre la relation et la prévention des risques. L'ADV respecte les règles de sécurité pour la personne aidée. Elle lui demande son avis pour changer de place un objet. Elle a du respect envers la personne. Elle est à un moment en complicité avec la personne aidée. L'ADV lui explique tous les risques. C'est une bonne assistante de vie. Tout changement est examiné attentivement et avec tact afin de ne pas supplanter la capacité décisionnelle de celui qui est maître chez lui et surtout maître de son espace. Ainsi, l'absence d'injonction laisse la place à la liberté d'être, d'agir et de créer pour la personne aidée. En conclusion, si l'on doit déduire de ces trois séquences un mot-clé, c'est celui de l'autonomie, qui est d'ailleurs à la source du métier de l'assistante de vie. Elle intervient auprès des personnes dépendantes
afin de les préserver au maximum des risques domestiques. Et ces interventions doivent en parallèle préserver leurs capacités physiques et relationnelles. Comment y arriver ? L'assistante de vie doit se positionner face à la personne aidée en découvrant ses besoins fondamentaux, ses peurs, tout en les accompagnant. Elle ne doit pas agir à sa place, mais respecter son vécu et stimuler ses aptitudes. Elle doit être en permanence dans un échange relationnel vivant. Ainsi, le sujet personne aidée conservera toute l'amplitude au niveau de son corps et de son esprit le plus longtemps possible. Comme vous l'avez entendu par Yolande, être autonome, c'est important. Et puis, la plupart du temps, vous serez seul à domicile. Alors, soyez vigilant. Et pour conclure, je vous propose quelques repères à adopter. On sécurise, on organise, on anticipe et on conseille. Vous pouvez répéter, Joël ? On sécurise, on organise... Tu l'as pas l'effet, là.